véritablement l'enfer du Nord, c'est véritablement un Paris Roubaix. Entrer dans cette tranchée à l'instant même avec Rolf Aldag, Laurent Jalabert, c'est l'entrée sur cette tranchée mythique. Laurent ? Oui, je suis juste devant Rolf Aldag, j'aurais bien aimé pouvoir m'intercaler entre le peloton et lui, mais je pense que le peloton va revenir très vite dès les premiers hectomètres de cette tranchée d'Arenberg qui est en léger contre la descendante. La particularité de ce secteur, c'est que le pavé est très très irrégulier. La moto sur le côté, vous êtes à 95 km de l'arrivée, 94 500, un homme en tête qui souffre sur le haut du pavé, c'est l'allemand Rolf Aldag, le coureur de l'équipe T-Mobile, garçon en forme, 7e du dernier Tour des Flandres, et juste derrière, voici les coéquipiers de Peter Van Petegem Lotto qui vont absorber Rolf Aldag, c'est la tranchée d'Arenberg, et dans cette tranchée, juste derrière le peloton, elle est difficile, c'est Jérôme Godard à l'arrière, chute à l'arrière le peloton. A été rejoint par l'équipe de Suisse, une Coupe Davis, on parle de Nice, Federer a gagné, mais pas deux victoires partout, il faudra jouer pour le 5e match décisif. Jamais dans la tranchée où quelques joueurs sont attardés, peut-être des favoris. Oui, effectivement, c'est un masque d'un ancien vainqueur, l'homme de l'heure, c'est avec qui Paul Gustav, qui a l'instant du glisser sur la gauche de la route, il a mal fait la jambe gauche, il n'est pas remonté sur son vélo. Donc victime lui aussi de cette partie boueuse et extrêmement puissante.